Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geek World. Je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Team Fortress 2. La dernière fois c'était avec Carboom qui s'était confronté aux Spies et aujourd'hui c'est moi-même qui vais devoir me confronter au jeu. Parce que j'ai complètement zappé comment on joue au jeu. Ça va faire un an que j'y ai plus touché. Je l'ai désinstallé, je l'ai réinstallé là récemment, juste pour vous, pour votre plaisir personnel de me voir mourir comme une merde. Et du coup, je me replonge dans ce jeu auquel j'étais pas si mauvais que ça, hein, il y a un an. J'ai juste complètement oublié comment on y joue, c'est tout. Donc, ne jugez pas les performances d'aujourd'hui comme étant mes performances habituelles, parce que je suis quand même censé être meilleur que ça. Donc, on va commencer avec un jeu qui ne sera pas. On va pas commencer avec un casual. On va pas commencer avec ça, ça, ça. Non, ça, tout ça, on s'en fout. On va se faire un. On va se faire un 2 group keep. Voilà. Ça va pas mal. C'est bien pour commencer, c'est tranquille. En plus, c'est un peu mon mode de jeu préféré. Du coup, on va peut-être faire un 2 group keep uniquement aujourd'hui. C'est possible que. Je vais voir. C'est pas dit, mais c'est possible qu'on fasse que ça. 2 group keep est une sorte de mode de jeu en fait où vous êtes un peu en mode bataille rangée, médiévale, un peu bizarre. Vous devez envahir un château en fait, qui est le 2 group keep. Et donc il y a une équipe qui défend le château, une équipe qui essaie de l'attaquer. Vous avez deux points de contrôle à prendre sur les côtés, et une fois que vous avez pris ces deux points de contrôle, vous pouvez rentrer dans le château et prendre le troisième point de contrôle qui est dans le château. À ce moment-là, vous avez pris le château. TF2 est assez semblable à Overwatch. Je pense même carrément d'ailleurs que c'est la même chose. Dans le sens où je crois que Overwatch a été vraiment beaucoup inspiré de TF2. Ou je sais plus si c'est TF2 qui est venu en deuxième. En tout cas, c'est un des trucs comme ça. C'est un des deux. On va peut-être pouvoir commencer la partie. Fingers crossed. Allez. Allez. Allez, connexion. Ouh. Eh ben, c'était bon pour mes oreilles tout ça. Alors vous pouvez voir que le jeu a déjà commencé sans moi, hein, ça arrive très souvent. Et c'est déjà plus ou moins la merde, hein, je tiens à le dire. Donc là je suis en mode défense et il faut absolument que je ne permette pas au mec de passer. J'en ai quand même tué deux. Moi, je suis désolé, mais pour moi, ça compte. Allez, on y va. On charge. Ok. Bon. Ouh, beau snipe. Beau snipe. Bon, bah, du coup, encore une fois, comme d'habitude, on commence très fort avec une défaite, hein. Je peux pas y faire grand-chose, malheureusement. Allez, ouvre, ouvre, ouvre. Alors donc du coup dans ce mode de jeu là, vous n'avez pas le droit à vos armes habituelles. Vous avez le droit qu'à vos armes de corps à corps, sauf pour le spy qui peut avoir à la limite le spy, le sniper, qui peut avoir à la limite un arc et des flèches. Oh, bien joué! Bien, bien joué! Il a trouvé le spy, il l'a fait regretter de s'être moqué de nous. Allons-y! Il est l'heure! Oh la vache! Je crois qu'ils n'étaient pas vraiment très prêts. C'est parfait! Voilà, boum! Où qui sont les ennemis? Venez à moi! Que je vous tue! Bon, bah, c'était un très court jeu, ma foi. Mais franchement sympa. Allez, on va s'en refaire une deuxième. Comme quoi, si on s'en tient à ça, hein, si.
L'intégralité du jeu, c'est ça. Je suis peut-être pas si mauvais. On va se refaire une ou deux autres parties. Ça va être un court épisode, hein, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de montage à faire. On a pris énormément de retard sur les reviews, notamment sur les reviews, où là j'ai carrément 6 mois de retard en termes de vidéos. Parce que nous, on a continué à les tourner les vidéos, c'est juste moi qui les ai pas montées. Parce que j'avais un peu, malheureusement, pas trop le temps pour moi ces 6 derniers mois, pas déconner non plus, mais j'avais en tout cas beaucoup de problèmes en termes de montage et tout ça. Ce qui n'excuse en rien le fait que je n'ai pas assez branlé ces derniers mois, mais ne vous en faites pas. Ouh là! J'ai vu une flèche passer là. Allez, bon, c'est hors combat, ça compte pas. Ça compte pas, regardez, là il me reste 13, 12, 10, bon. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chargé! Allez. Je m'en suis déjà pris une, c'est très très mauvais signe. Ça va pas, putain. Allez, bon. Attends, je pouvais pas faire grand chose, j'étais à 1 contre 5. Je crois que je t'ai pas vu, peut-être. Eh ben. En même temps, il a la lourde arme. Tu vas faire quelque chose, Lille? Oh, c'est le moment de la défense. C'est le moment du tout. On joue pour le tout, pour tout, tout pour le tout. Yeah! J'en ai buté un? J'en ai buté zéro, quoi. J'ai juste foncé dans le tas. Non, mais elle va rien foutre, en fait. Allez, on va se reprendre du point de vie. Allez, ça arrive de temps en temps. En même temps, c'est compliqué hein, dans deux gros équipes de défendre. Défendre, c'est pas le truc le plus facile. Attaquer, c'est généralement plus simple. Bing, 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 bing. On y va! Cher joué! Ouh, eh bé. Si ça lui fait plaisir. Allez. Et on charge dans le château. Wouhouhou! Oh,
Bon, bah ça s'est bien passé encore une fois. Allez, on va faire une dernière partie. Je vous avoue, j'ai fait une partie juste avant de commencer à jouer pour voir un petit peu si ça se passait bien, tout ça, etc. Si j'allais pouvoir faire un petit peu de skill quand même dans ce niveau, parce que sinon, ça ne servait à rien que je vous montre simplement que le fait que je me fasse poutrer la gueule en long en large. Mais finalement, je suis plutôt content de moi, hein. Autant sur le truc d'avant, je me suis fait les défoncer en long en large, c'était absolument immonde. Autant là, je suis plutôt content de moi. Est-ce que ça veut dire que je suis en train de m'améliorer? Je ne pense pas. Ça veut peut-être dire aussi qu'ils sont beaucoup plus nuls en face. Ou alors peut-être que j'ai une meilleure team. Ah, on est les bleus, donc on commence avec l'attaque. Allons-y! Ah bah, l'attaque, elle est déjà bien lancée en plus, je trouve. Bon. Ça n'a pas suffi. Allez, on y va. C'est dommage, je mets bien ma team. Ouais, bon, en même temps, là, je pouvais pas faire grand-chose. On va changer un peu, on va prendre le snipe. Avec ma nouvelle épée trop classe. On va voir si on peut... Oh. Allez, on va prendre ce point. Ce point est pris. Et c'est parti. Bon, c'est repas. Oula, 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 oula. Ils ont fait une sortie, les gars, là. Oh la vache. Eh. Hey. Ils ont fait une de ces sorties, les enculés. Truc de ouf. Alors là, c'est peut-être la partie où je vais me faire défoncer parce que j'ai plus la même team. Et j'ai l'impression que c'est la team rouge qui a l'air d'être un peu mieux que la team bleue. Ok, c'est un massacre. C'est un massacre. Et on va continuer à charger encore et encore et encore. Oui, alors ça, c'est un cheat du jeu qui est sympa. Enfin, c'est plus un bug exploit. C'est quand vous êtes Demoman, je crois. Le black, quoi. Vous pouvez utiliser votre speed, parce que vous avez un speed, pour sauter des cailloux là-haut jusqu'au rempart. Bah voilà, comme exactement ce qu'il vient de faire, là. C'est un petit bug exploit sympa. Que moi, je trouve amusant. Allez, on y va, tranquillou, hein. C'est la vie, c'est la fête. C'est très intéressant de voir comment j'ai réussi à tuer qu'une seule personne là-dedans, alors que personne ne bougeait. Hein. Bon, allez. Donc on va réussir à le prendre, ce putain de temps. Ils l'ont pris. Alors on va attendre que la charge de machin sorte. Et nous, on va foncer. En même temps, c'est toujours un petit peu le merdier. Et on a gagné! Moi je dis. C'est bien! On a gagné! Gagné! Je n'ai fait que gagner jusque-là! Non! What the hell?
What? The what? The what? Là, je me pose des vraies questions. Oh mon dieu. Alors, Upper Nate, là, je commence à me poser des questions sur toi. Serais-tu un putain de troll? Allez. Non mais attends, attends. Il y a un problème. Je n'ai pas pris un seul dégât avant ce gars. Comment? Écoutez. Écoutez, on va mettre neutre, voilà. Et écoutez, voilà, alors. Je me pose plus de questions. Est-ce que je ne sais pas, peut-être, voilà, on ne saura jamais, écoutez, c'était marrant quand même, cependant, j'ai joué trois parties plutôt sympas, du coup, vous avez eu un petit aperçu de ce que c'est que deux bootkeeps, et j'espère qu'on pourra revenir très très bientôt sur TF2 avec des invités. Parce que là, c'était un petit peu le merdier, jouer tout seul, c'est moins fun, je trouve, de jouer tout seul à ce jeu que de jouer en coop, ou contre d'ailleurs des potes. Mais ce serait marrant de pouvoir faire des groupes keep avec une armée entière de nos potes qui chargent en même temps, tu sais. Ce serait assez marrant, ça. Du coup, sur ce, je vous dis à très très vite, à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de dire si vous avez aimé ou pas. Et d'aller voir aussi la vidéo de Karboom qui affronte les spies. Et le Discord, nous avons également un Discord qui est dans la description. Vous pouvez vous y rendre immédiatement, c'est qu'un Twitter, un Facebook. Nous vous invitons à vous abonner aux trois. C'est toujours sympa. En plus, vous pouvez discuter avec nous, on peut discuter avec vous, on peut apprendre à se connaître. C'est super sympa, on se verra pour un thé et tout. Et là, du coup, je crois que j'ai tout dit. Du coup, je vous dis à très très vite, à très très bientôt. Gardez la forme, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.